Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration à partir d'une photo. On va réaliser dans un premier temps les pinceaux pour avoir donc ce type de tracé. Donc nous allons tout de suite ouvrir un nouveau document. Je vais importer bien sûr mon modèle. Donc c'est une photo trouvée sur internet. Je vous la mettrai en lien, incorporée. Je vais réduire la taille donc en cliquant sur le petit cadenas. La hauteur est trop importante, on va mettre ça à 1000. Allez, 800. J'appuie sur Entrée pour valider. Voilà. Largeur 600, hauteur 800. Je clique sur la photo pour la déplacer. Je vais faire apparaître la palette des calques. Donc là, j'ai mon calque. Sur ce calque, donc je double-clique, je vais l'appeler calque modèle. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider. Je le verrouille. Je clique ici sur le petit plus pour ajouter un calque que je vais appeler le calque Illus. Le calque modèle, je vais réduire son opacité à, voilà, à peu près 50%. Donc je clique ici sur ce petit icône pour avoir en fait l'aperçu de ma page. Tac, voilà, comme ceci. J'oublie pas d'enregistrer. Ben, je vais l'appeler dessin. Enregistrer. Remplacer. On va tout de suite créer nos petits pinceaux. Alors, avec l'outil créer des carrés, je sélectionne mon outil créer des carrés, je glisse. Alors ça ne marche pas parce que je suis sur le calque modèle qui est verrouillé, donc on pense bien à se mettre sur le calque Illus qui n'est pas verrouillé. Donc je clique, je glisse, en appuyant sur CTRL pour avoir un joli petit carré. Je sélectionne l'outil flèche noire, donc là j'ai les poignées de redimensionnement. Moi je veux pouvoir le tourner, il suffit juste de cliquer sur le carré et à ce moment-là j'ai les petites flèches de rotation. Donc je fais une rotation de 45 degrés en appuyant donc sur CTRL. Quand on clique sur CTRL, on peut faire des rotations de 15 en 15. Tac, donc là je suis bon. Je vais sélectionner l'outil éditer les nœuds et je vais transformer ce carré en objet chemin. Ici en chemin plutôt. Voilà, convertir les objets sélectionnés en chemin. Clac, c'est fait. Donc là on voit qu'il y a les 4 nœuds du carré. Je resélectionne l'outil flèche noire ou F1. Donc on va prendre l'habitude d'utiliser F1. Voilà, je réduis tout ça. Hop. Je zoome en appuyant donc sur la petite loupe. Alors c'est F3 ou Z. Moi j'aime bien utiliser Z. Donc F1, clac. Je réduis ici la forme de mon pinceau. On l'écrira au fur et à mesure, ce sera peut-être plus facile. Avec l'outil éditer les nœuds ou F2, je vais sélectionner ces deux nœuds là et les rendre symétriques. Clac. Donc là on a maintenant la forme du pinceau. Donc on va à peu près le caler comme ça. Et on va maintenant utiliser l'outil crayon. Donc c'est F6. Et on va ici dans forme choisir à partir du presse-papier. Donc hop, il suffit donc de sélectionner cette forme. On va dans éditer, on va la copier ici pour qu'elle soit dans le presse-papier. Je resélectionne mon outil, donc crayon, c'est F6. Donc je clique sur F6. Et je vais maintenant pouvoir, vous allez voir, créer donc une jolie petite forme avec ici très fin, là beaucoup plus épais et fin au bout. On n'oublie pas de mettre un lissage à 50-52 pour avoir vraiment une belle courbe. Et vous voyez, c'est assez rapide. Clac. Alors, on peut additionner des chemins en appuyant sur Shift. C'est-à-dire que si je fais un chemin ici, vous voyez, il crée une sorte de sélection. Ça veut dire que c'est dans c'est un même objet, mais composé de plusieurs chemins. Alors, hop, zut, donc F6, tac, tac. Alors là, c'est pas terrible. Je vais me mettre, vous voyez, sur le petit carré là, et prolonger en fait la ligne. Et ces deux-là, je vais les joindre. Alors pour joindre deux nœuds, il suffit juste de les sélectionner et de cliquer ici sur joindre. On peut bien sûr modifier le tracé. Donc soit je clique sur le tracé, soit je peux cliquer sur le nœud et déplacer le nœud. Voire supprimer ces deux nœuds-là en les sélectionnant, soit en cliquant sur moins, soit en cliquant sur supprimer du clavier. F6 pour avoir l'outil crayon. Donc là je vais
rajouter un segment comme ça, comme ceci, la pupille comme ceci. Je clique sur F2 pour avoir donc les nœuds, pour bien les voir visibles. Et je peux donc déplacer et rajouter un nœud. Donc pour rajouter un nœud, c'est CTRL-ALT. Et je clique ici sur mon segment. Et hop, j'ai un nœud qui est rajouté. Je peux maintenant retravailler mes petites poignées là. Voilà, c'est pas trop mal. Clac, c'est bien. Donc F6 pour avoir mon outil crayon. J'appuie sur Shift. Je vais rajouter ici une petite ligne. Clac. Je vais joindre ici pour voir ce que ça donne. Ouais. Et ici, je vais séparer, c'est-à-dire briser le chemin. Clac. Voir ce que... ouais. Peut-être mieux comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. On va continuer, on va faire le nez maintenant. Donc on va faire juste le haut du nez, là. Clac, à peine le souligner. On va faire une narine, celle à côté. Je vais faire juste ici un peu la narine. Et pareil pour là. On voit ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. On enregistre, bien sûr, CTRL S. On va maintenant faire les lèvres. Clac. Alors pour faire les lèvres, ah oui, donc le lissage est à 52. Je fais donc un début de lèvre ici, je relâche et je reprends de façon à avoir vraiment le tracé que je souhaite. Et je peux revenir dessus. Clac, voilà, grâce à l'outil éditer les nœuds. Comme ceci. Hop, je rends le nœud doux en cliquant sur CTRL et sur le nœud, ça change son aspect. Voilà, ici en bas, clac, je rajoute un nœud ici, hop, F6, je vais prolonger un petit peu là, la bouche, je vais rajouter ici deux petites commissures, ça la fait sourire un peu, c'est bien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, c'est pas terrible. Hein, pour un visage le plus harmonieux, en principe, il faut un maximum de symétrie. Hop. Voilà, ça devrait pas être mal, ça. On enlève le modèle pour voir ce que ça donne. Ouais, ça prend forme tout doucement. Je vais faire le contour du visage, F6. Clac. Tac, je relâche, je reprends. Outil éditer les nœuds. CTRL pour changer l'aspect des nœuds. Hop, je les déplace à l'endroit que je souhaite. Je reprolonge ici. Tac. Tac. Je change l'aspect du nœud, je déplace ici un petit peu les poignets. Hop. Là, je vais rajouter un nœud ici. CTRL, ALT, je clique sur la ligne et je déplace. J'enregistre. Je vais rajouter peut-être ça, juste ça là, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, on va maintenant créer un nouvel outil pour les cils. Donc avec ici le cercle, donc je crée un cercle en appuyant sur CTRL en cliquant glissant, donc là j'ai un cercle parfait. Grâce à l'outil éditer les nœuds, je le transforme en chemin, donc Maj CTRL C, tac. Je vais sélectionner ce nœud, le pousser ici vers l'extérieur et en appuyant sur CTRL et sur les poignets, vous voyez je supprime les poignets, ce qui me permet d'avoir une sorte de larme. Donc je réduis. Je copie, donc c'est dans le presse-papier, j'appuie sur F6, à partir du presse-papier, lissage à 52, et là, hop, c'est pas dans le bon sens, CTRL-Z, voilà, comme ça. Et bien, donc je sélectionne, j'appuie sur F6, voilà, Shift, je me trompais de touche,
Tac. Voilà. Plutôt limité à ça. Je resélectionne cet objet, je le duplique, CTRL D, ou je peux aussi cliquer là-dessus, ou aller dans Édition, Dupliquer. Je vais faire un pinceau encore plus fin pour faire ici les petits cils qui sont en bas. Donc je copie, j'appuie sur F6. Donc ce qui est dans le presse-papier, bah, c'est cette forme-là. J'appuie sur Shift et je peux maintenant. Alors c'est pas dans le bon sens, CTRL Z. Hop. Ouais, c'est bon ça. Comme tout à l'heure, je resélectionne, j'appuie sur Shift. Alors pourquoi appuyer sur Shift? C'est vrai que je pourrais en fait continuer à créer des formes, vous voyez? C'est vrai qu'elles se ressemblent toutes. L'avantage de d'avoir sélectionné et combiné les différents chemins, c'est que lorsque je vais, alors que je retrouve la palette, lorsque je vais dans l'éditeur XML, ici, n'ayez pas peur, c'est pas très compliqué. On voit ici le pass effect. Donc en fait, c'est ce qu'on a mis en mémoire. Comment dirais-je, ce qui est dans le presse-papier, c'est cette forme-là qui s'appelle pass effect 6414, qui va s'appliquer sur donc tous ces chemins. Alors qu'ici, eh bien, vous voyez, c'est un objet qui est différent à chaque fois. Alors vous allez me dire où il veut en venir. Eh bien, ça va être très simple. Lorsque ici je vais, grâce à cet outil, sélectionner l'objet 6414 qui est là, je vais le déplacer, je vais le mettre à côté. Z, voilà, il est ici. Lorsque je déciderai de modifier cet objet, et bien automatiquement, tous les objets qui ont pour référence Pass Effect 6414 seront modifiés automatiquement, ce qui n'est pas du tout le cas. Lorsque, vous voyez, voilà par exemple ça, 64-79, si je veux modifier alors son tracé, alors le tracé se met toujours, je ne sais pas pourquoi, il se met toujours en haut à gauche. Voilà, lorsque je modifie cet effet-là, je n'en modifie qu'un seul, ce qui est un petit peu embêtant. Voilà, donc c'est une petite astuce, hein. Alors, tout peut être rattrapé, hein. Je vais continuer dans les astuces. C'est-à-dire que si j'oublie et puis j'en fais un autre là, sans appuyer sur Shift. Ah, décidément, hop. Eh bien, je peux quand même les sélectionner les deux, sélectionner ce chemin et aller dans Chemin combiné. Et à ce moment-là, j'ai un petit bug. Ils auront tous le même pass effect. 65, 24. Donc on peut toujours corriger les petites erreurs. Allez, je continue. Donc j'appuie sur Shift et je vais faire ici d'autres cils. Voilà, comme ceci. Je vais rajouter un petit peu d'effet là, comme ça. Ça fait peut-être un peu trop. Bon. Allez, on va dire que ça va aller. Voilà, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Alors, je zoome. Je vais utiliser ici ces formes-là. Donc, j'appuie sur Shift pour faire le sourcil. Donc, je vais rajouter des grosses formes comme ceci. Je sélectionne les petites là, F6. Et je vais rajouter voilà, des sourcils un peu plus fins. Tac, hop, comme ceci, c'est pas mal. F6. Voilà, ouais, c'est bon. Donc là, je sélectionne eh bien mon œil. Ah ouais, là, il y a un petit souci. Vous voyez, là, tout est groupé. Alors, moi, je voudrais copier que cette partie-là. Alors je vais être obligé d'aller dans le chemin, de faire
séparer. Donc là, j'ai un petit bug, on voit plus du tout mon effet chemin. Il suffit. Alors j'espère que vous n'avez pas ça. Si vous avez ce problème-là, bah, vous sélectionnez un nœud, vous le déplacez un peu et hop, automatiquement, prop, tout réapparaît. Donc je vais sélectionner ces objets-là, les combiner, hein, parce qu'ils vont ensemble. Et puis moi j'aime bien quand tout est bien, comment dirais-je, organisé. Je crois qu'il y a ça aussi qui va avec cet effet-là. Voilà. Donc je sélectionne tout ça, je duplique. Donc bah, bien sûr édition dupliquée, édition dupliquée. Je fais un retournement horizontal. Et je déplace en appuyant sur CTRL et je vais vers la droite. Et là, tranquillement, hop, tout a été déplacé. Donc là, j'appuie sur F2 pour avoir l'outil éditer les nœuds. Je vais sélectionner ici les sourcils. Je vais faire disparaître voilà, ces petites flèches là et les poignets. Ce qui me permet ici de sélectionner et voilà, de déplacer facilement. Alors si j'appuie sur voilà, je sélectionne un nœud et j'appuie sur Alt, vous voyez, hop, ça permet de faire une déformation, donc ça c'est très pratique. Voilà, on va dire que c'est bon. Et voilà, notre deuxième œil a été fait beaucoup plus rapidement. J'oublie pas d'enregistrer. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Ouais, ça va. Je sélectionne les contours du visage, donc je vais combiner tout ce qui va ensemble. Hop, CTRL K. Ça permet de voir que ça je l'ai oublié. CTRL K. Voilà. F6. Je vais rajouter ici un petit peu les clavicules. Voilà. Ah, peut-être un peu loin là. Comme ceci. Je vais réapparaître les poignets. Tac. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. On va laisser ça simple. Hein. On va maintenant s'attaquer aux cheveux. Donc, je sélectionne mes petits pinceaux, je les mets sur les côtés. Alors pour les cheveux, je vais sélectionner cet objet, le dupliquer. Alors pour dupliquer un objet, on peut aussi le sélectionner et appuyer sur espace. Automatiquement, il va faire plein de copies. Hop. Je vais réduire. Donc, ouais, réduire un petit peu sa taille, tiens. Donc, comme ceci. Voilà. Donc, je copie, c'est dans mon presse-papier. Et je vais maintenant faire les cheveux. Alors, les cheveux, c'est assez facile pour moi. Je trouve que c'est. Bien sûr, il faut une tablette graphique, hein, autrement, c'est un peu plus embêtant. Mais voilà, on va faire les cheveux comme ceci. Tac, on n'oublie pas d'appuyer sur Shift. Et vous voyez que ça va très très vite. On suit un petit peu. Voilà. Comme ceci. Donc il vaut mieux faire des petites portions. C'est plus facile à gérer. Clac. J'appuie sur moins pour dézoomer. Hop. CTRL Z. Je resélectionne tout. J'appuie sur F6. J'appuie sur Shift pour pouvoir. Voilà. Vous voyez, ça va quand même relativement vite. C'est très 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 pratique. On va faire le haut. Voilà, j'ai dézoomé un peu. Alors là, ça va être un peu moche, je pense. C'est pas grave, on va sélectionner tous ces nœuds, hop, et on va les joindre. Ça donne quoi? Non, ça va pas du tout. Allez, je reviens en arrière. F6. Voilà. Donc il y a certains nœuds que je veux joindre, comme ceci. Alors c'est pas cela, décidément. Je vais être obligé de les sélectionner un par un, les joindre et les rendre doux. Ou les supprimer carrément, voir ce que ça donne. Et je vais les supprimer. Clac. Ouais, ça va, c'est pas mal. Donc F6. Tac.
On fait l'arrière. Voilà, on enregistre. On va faire la partie. Alors il y a toujours une partie qui est plus délicate que l'autre. Ouais, cette partie-là est plus difficile pour moi. Il faudrait pouvoir tourner l'image, ce que je pourrais faire, mais on va se débrouiller comme ça. Voilà. Tac. Allez, on va voir ce que ça donne. En désactivant le modèle, ouais, c'est pas mal. Donc assez rapidement. Bon, après, on peut continuer à travailler. Ici, F6. Peut-être ajouter quelques lignes. Ici, retravailler pour éviter que ça se chevauche de trop. Hop, comme ceci. Alors un effet qui peut être sympa à travailler, c'est donc toujours, hein, on va faire ici des toutes petites lignes, un peu denses. Voilà, hop. Ce qui aura tendance à donner comme s'il y avait eu des reflets dans les cheveux. Alors c'est quand même assez gourmand en ressources, il faut avoir un ordinateur pas trop ancien. Là j'ai un petit bug. Voilà. Hop. On voit ce que ça donne, ouais c'est pas mal. Les effets. Allez, je vais continuer un tout petit peu, puis après. Je vous montrerai l'avantage d'avoir voilà tout lié en appuyant sur Shift depuis le début. Allez. Voilà. Donc maintenant, hop, si j'édite ici mon petit objet, je le sélectionne, j'appuie sur les comment dirais-je l'option de transformation, clac. Je clique, je glisse. Et vous voyez, en direct, je peux régler donc la totalité, l'épaisseur de mes cheveux. Donc ça, c'est assez génial. Hop. Je peux régler l'épaisseur. Alors ça demande quand même un petit peu de ressources. Voilà. Voilà pour ce petit tuto, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.